Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire qu'on commence tout de suite après cette pause. Le président Abdel Fattah el-Sissi a donné ses directives pour la meilleure exploitation des applications du satellite égyptien Tiba 1 dans l'intérêt du secteur des télécommunications et de la technologie de l'information, notamment en ce qui concerne les réseaux de communication gouvernementaux en cours d'exécution pour connecter tout l'appareil administratif de l'État, une étape importante en amont du déplacement vers la nouvelle capitale administrative. Le président el-Sissi a tenu ses propos lors de sa réunion avec le ministre des Communications et plusieurs responsables concernés. Par ailleurs, le président a tenu une autre réunion avec ses conseillers pour la planification urbaine et les affaires financières. Au cours de la réunion, le président a donné ses instructions pour poursuivre la consolidation du programme de l'État pour la bonne gouvernance et la meilleure gestion des actifs de l'État en tant que principe constant réalisant la meilleure exploitation des ressources du pays au niveau économique, urbain et du développement. Et le président Abdel Fattah el-Sissi a inspecté le projet Avenir de l'Égypte pour la production agricole et la bonification de 500 000 feddans le long de l'autoroute Adaba, dans le nord-ouest de la République. Le projet Avenir de l'Égypte fait partie de la stratégie de l'État visant à maximiser les opportunités productives dans le domaine de bonification des terres et de la production agricole afin de réaliser un nouvel ajout à la série de mégaprojets nationaux de développement que l'État met en œuvre dans tous les domaines. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu signé Marwa Arafai Ayachal. Le président Abdel Fattah el-Sissi a inspecté le projet futur de l'Égypte visant la bonification de 500 000 feddans dans le prolongement de l'axe routier de Dabra dans le nord-ouest du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État ayant pour objectif de maximiser les opportunités de production agricole et vient s'ajouter au méga-projet de développement exécuté par l'État dans tous les domaines sur tout le territoire, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Rhodi. Ce projet permettra d'assurer des produits agricoles haut de gamme à des prix convenables, de combler le fossé entre production et importation sur le marché local, de glaner des réserves de change au profit de l'économie nationale et de générer des milliers d'emplois directs et indirects, a indiqué M. Rhodi. Le terrain se trouve sur le prolongement de l'autoroute d'Eldaba. Un nouvel axe routier aménagé dans le cadre du réseau routier national, vu ses nombreux avantages géographiques, dont sa proximité avec les ports, les aéroports et les zones industrielles, qui favorisent le transfert des produits agricoles vers les quatre coins de la République. Le président el-Sissi a ordonné de consolider la coopération entre les différentes parties spécialisées pour mener à bien ce projet, afin de développer le secteur de la production agricole et les industries agroalimentaires, pour atteindre une autosuffisance. Et le Premier ministre, Dr Mustapha Madbouly, a déclaré que le gouvernement accorde un grand intérêt au dossier de la réforme administrative afin de réaliser la stratégie du développement durable et la vision de l'Égypte 2030. Qui vise à mettre en place un organe administratif compétent, efficace, qui augmente la satisfaction des citoyens et est capable de jouer son rôle au développement. Ceci intervient en passant en revue un rapport avancé par le chef de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration, Saleh Al-Sheikh, sur les activités en 2020. Concernant l'axe du développement des capacités des employés, M. Hachir a indiqué que l'agence avait achevé au cours de l'année 2020 la formation de 19 568 employés qui sont candidats pour travailler à la nouvelle capitale administrative. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Arafai Ayachal.
L'Égyptien accorde un grand intérêt au dossier de la réforme administrative afin de réaliser la stratégie de développement durable et la vision de l'Égypte 2030 qui vise à mettre en place un organe administratif compétent, efficace, qui augmente la satisfaction des citoyens et capable de jouer son rôle de développement, a déclaré le Premier ministre Mustapha Madbouly en passant en revue un rapport avancé par le chef de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration, Saleh Chir, sur les activités de l'agence en 2020. La mise en place d'un tel organe est considérée comme un pilier fondamental pour atteindre les objectifs de l'État égyptien, d'où l'importance de travailler sur tous les axes liés à ce dossier, que ce soit ceux liés à la restructuration, au choix des candidats à la fonction publique, à la formation, à l'investissement dans le capital humain et à la réforme des cadres institutionnels et législatifs, ainsi que les processus de transformation numérique, dans le but de réaliser l'intérêt de la patrie et des citoyens, a dit M. Madbouly. Concernant l'axe de développement des capacités des employés, M. Chir a pour sa part indiqué que l'agence avait achevé au cours de l'année 2020 la formation de 19 568 employés qui sont candidats pour travailler à la nouvelle capitale administrative. Quant au projet de la dite agence, le transfert de 9 millions de documents papier et copies électroniques a été achevé dans le cadre du projet Mémoire institutionnelle qui vise à numériser les dossiers de l'agence, ce qui conduit à accélérer l'achèvement des procédures et demandes des différentes parties dans les plus brefs délais. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Passant Fahmy, qui est experte en économie. Bonjour, docteur Passant. Bonjour, Mathieu. Alors, si on parle de cette réforme administrative actuellement poursuivie par le Premier ministre et dont les quatre coins du gouvernement, on parle également qu'elle vise à réaliser la stratégie du développement durable et la vision de l'Égypte 2030. Comment voyez-vous cette démarche et quelles sont ses caractéristiques les plus importantes? C'est une démarche très importante parce que ce n'est pas question de développer des villes et des bureaux et importer la technologie, mais aussi le côté humain est très important. Certes. C'est-à-dire les jeunes, tous les gens qui travaillent dans le secteur public. Si on fait la modernisation et eux-mêmes ne savent pas comment ils vont travailler avec ce nouveau système ou dans ce nouveau système, ça sera un grand problème. Oui. Alors là, oui, on a fait un grand changement sur le niveau de, comme on appelle, technologique, mais ce qui reste et qui est plus important aussi, c'est l'être humain. Alors là, on a commencé par les jeunes, c'est vrai, mais le secteur gouvernemental, surtout avec le mouvement vers Nouveau Capital, nous avons besoin des gens qui sont différemment entraînés, qui savent comment travailler avec la technologie. Mmh. Les nouvelles villes sont toutes des villes intelligentes. Alors, on ne peut pas travailler avec le même groupe d'employés. Oui. Le progrès ou les efforts déployés ces jours-ci, et ça a commencé il y a 2 ans, bien sûr, nous avons au moins 2-3 ans en plus pour qu'on puisse dire nous avons un système gouvernemental qui peut travailler avec les villes intelligentes, qui peut vraiment être place, trouver leur place dans la nouvelle technologie. Tout le monde voit que le monde change d'une façon trop vite même, je ne veux pas dire trop sophistiquée, mais trop vite. On peut, même les gens maintenant, l'éducation, tout se fait à espace, c'est-à-dire à travers la technologie. Oui. Alors, si le gouvernement ne fait pas un grand effort, et ça aussi, c'est pas un effort physique, ça coûte beaucoup pour que les gens-là puissent apprendre. Mais tout ce qu'on voit, c'est que vraiment ça avance et ça doit avancer. Et les gens doivent savoir que le futur est tout à fait différent que le présent. Mais le gouvernement déploie des efforts qui sont bien vus par tout le monde. Mmh. Parfait, docteur Passant Fahmy. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes experte en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Mustapha Madbouly, a affirmé l'attachement de l'État à achever les projets de logement mis en œuvre au profit des habitants des zones dangereuses dans la ville Al-Salem.
Le chef du gouvernement a donné ses directives afin d'achever en accéléré la construction des unités de logement dans les plus brefs délais. Le chef du gouvernement a donné ses instructions lors d'une tournée d'inspection sur le chantier de construction de logements dans la ville Madinat As-Salam sur l'autoroute désertique de Belbeis qui s'étend sur une superficie de 230 fédans. Dr Madbouli a également inspecté la mise en œuvre d'un nouveau projet de logement dans la nouvelle ville Al-Obour, entamé il y a 2 mois. Le projet est construit sur une superficie de 62,3 fédans et comprendra 3360 unités résidentielles, 96 unités administratives et 96 magasins. Le Premier ministre s'est rendu également sur le chantier de construction de logements sociaux qui comprendra 732 bâtiments pour un total de 17 568 unités d'habitation. Et le chef du gouvernement, Dr Mustapha Madbouli, a également inspecté la mise en œuvre d'un nouveau projet de logement dans la nouvelle ville d'Al-Obour, ayant été commandé il y a 2 mois. Le projet est construit sur une superficie de 62,3 fédans et comprend 96 unités de logement et comprend également 96. Non, je m'excuse, et comprendra 96 unités de logement, dont 3360 unités de logement, 96 unités administratives et 96 magasins. Le Premier ministre, Dr Mustapha Madbouli, a également inspecté l'une des étapes du projet de logements sociaux qui comprend dans environ 732 bâtiments pour un total de 17 568 unités de logement. Et le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a annoncé que le secteur privé étant le moteur de la croissance économique jouera un rôle plus grand dans le processus de développement lors de la prochaine période, notamment à la lumière de l'intérêt croissant du gouvernement à ouvrir de nouveaux horizons et de développement qui contribuent à renforcer la participation du secteur privé aux grands projets sans précédent d'une manière qui aide à créer de nouveaux emplois, à faire progresser l'économie nationale et à augmenter les taux de croissance. Et le Fonds monétaire international, le FMI, a loué les mesures adoptées par le gouvernement égyptien afin de faire face au coronavirus et qui ont minimisé les conséquences de la pandémie. Le FMI a indiqué que le gouvernement a œuvré à répondre aux besoins médicaux et sociaux tout en soutenant les secteurs les plus endommagés. Selon le FMI, les effets négatifs du virus sur l'économie locale étaient beaucoup plus restreints que ceux prévus grâce à plusieurs facteurs tels les initiatives gouvernementales et bancaires. Le FMI a également souligné que le taux de croissance avait atteint 3,6% en 2019, dépassant ainsi les prévisions. Le fonds a ajouté que le taux de chômage a reculé au troisième semestre de l'an dernier à 7,3%, alors que le solde du déficit a enregistré un progrès, voire un excédent préliminaire de 1,8% du PNB, dépassant ainsi les prévisions de l'institution. Et les forces de l'armée poursuivent leur campagne de désinfection dans les sites qui reçoivent de grands nombres de citoyens. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de l'État pour endiguer la deuxième vague du coronavirus. Et le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier que 989 nouveaux cas testés positifs à la COVID-19 et 557 nouveaux décès. Le ministère a toutefois déclaré que 765 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la COVID-19 à 118 294 cas. Selon le communiqué, le ministère continue d'appliquer les mesures de protection et de prévention nécessaires
pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Et c'est avec cette dernière information, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.